World. Alors, on s'en retourne à la maison et pas beaucoup de temps d'arrêter à beaucoup d'endroits, de retourner travailler. Il a fait tellement chaud hier que ce matin, l'eau est plus chaude que la température. Alors, ici, le lac est plus calme. Ici, particulièrement, on est à Sainte-Anne, au Manitoba. Alors, on est parti de l'Alberta et on s'est retrouvé ici hier. C'est un magnifique camping et cascade d'eau, des glissades d'eau. C'est un camping incroyable. Nous, on est sur le bord d'un petit lac. Il y a des piscines ici et tout. C'est vraiment un gros camping. Donc, à Sainte-Anne, ça s'appelle Lilac. Lilac. Jumeau avec Lila et Lac, peut-être. Très tranquille sur le bord d'autoroute transcanadienne. Notre VR en a mangé tout un coup. Regardez-moi ça, la saleté. On peut voir les vernons tout ça. On va attendre d'être arrivé à la maison pour le laver. Tu as dormi, Maya? Oui. Vers la maison. On arrête ici à Thunder Bay. Thunder Bay, ils ont un mémorial qui commémore la course, le marathon que Terry Fox a fait en 1980. Pendant 143 jours, il a traversé le Canada. Il était atteint d'un cancer et puis cette course-là qu'il a fait en 1980 a révolutionné le monde des récoltes d'argent pour maladie. Donc, ici, dans la ville de Thunder Bay, ils ont fait un mémorial pour lui. Sabo River Gorge. Alors, toujours dans le nord de l'Ontario. Donc, on fait un petit arrêt ici. Cette région est tout simplement magnifique. C'est la rivière, c'est les grands lacs ici. Donc, ici, c'est le lac supérieur. Donc, on contourne complètement le lac supérieur. Puis, Maya est très contente aussi. Et Paki aussi. Oui. Les deux, Paki et Maya, sont bien contentes d'arrêter au lac Aguasabun. Aguasabun? Aguasabun? De venir au lac Aguasabun. Maya va arriver avant toi! Maya va arriver avant toi! Wow! Qui va arriver le premier? Wouh!
Allô? Oh! Regardez-moi ça! Wow! Ah oui! Oups là! Par ici? Par ici, c'est encore plus beau. Donc, on est en bordure du lac supérieur. Comme dirait Chantal, une beauté. C'est une beauté. Les chiens sont d'accord. We'd like them too. That beagle, you have a beagle? Si on n'a pas fait le lac supérieur au grand complet dans sa totalité, c'est pas loin. Et puis, donc là, on est arrivé tard un peu et on n'avait pas réservé ici au camping KOA de Sault-Sainte-Marie. Donc, on avait bien peur de ne pas avoir de place. Imaginez-vous donc, comme dans les films dramatiques, eh bien, il restait un spot de libre. Imaginez-vous donc que le seul site qui restait était à côté de la fameuse tour de Wi-Fi qui est juste là. Alors, on est arrivé à 8 h le soir. On se prépare un bon souper. Puis je vais pouvoir enfin envoyer d'autres vidéos. Alors, ça a été toute une journée, puis c'est très beau le nord ontarien. Mon plan était de faire la transcanadienne au complet. J'étais un peu déçu pour la Saskatchewan. Et le Manitoba, quoique le Manitoba, c'était quand même bien. Mais le nord ontarien est incroyable. C'est une beauté. Il y a des lacs, donc évidemment, des grands lacs. On a contourné les grands lacs. Alors, ça a été formidable. Ça a été super. On a beaucoup, beaucoup apprécié. Je pense qu'on aurait pu avoir su
On aurait pu rester une semaine de plus dans cette région-ci. On aurait pu prendre vraiment notre temps et faire tous les spots, mais comme on était pressé, bien, on l'a fait assez rapidement. À regret, parce que c'est quand même d'une beauté incroyable. Alors, donc, on va finir la soirée en relaxant, une bonne petite bière, une petite belge blanche, faite en Amérique du Nord, mais quand même une belge. Alors, incroyable. Donc, la Transcanadienne, le Nord-Ontarien, merveilleux. Amène Maya. Chantal, Chantal, cherchez Maya. Kaua ici, à Sault Sainte-Marie. Il y avait beaucoup de followers, cet ours, qui s'est éloigné tranquillement dans la forêt. Mais depuis mon incident avec le prof de Cayenne, j'entraîne une plus petite, moins dangereuse. Juste au cas, là. Ah, d'ailleurs, on souhaite la bienvenue aux ours ici. On souhaite la bienvenue aux ours. Exactement. Je pense que c'est celui-là que j'ai vu à part ça. Alors voilà. Chasse à l'ours terminée. J'espère.